Demain aura lieu la journée internationale des luttes contre les AVC, donc les accidents vasculaires cérébraux. L'occasion de faire de la prévention en répondant aux nombreuses questions de nos téléspectateurs. Au premier rang desquels, la question de JL de Fréjus, Jean-Luc, Jean-Louis, je ne sais pas. Quels symptômes doivent faire penser, docteur, à un AVC ? Alors, un accident vasculaire cérébral, ça va être une perte de une ou plusieurs fonctions de votre cerveau et qui arrive généralement brutalement, soudainement. Alors souvent, voilà, on va penser à l'atteinte de la moitié du visage. Ça va être une difficulté à sourire ou à gonfler une joue d'un seul côté. Voilà, c'est des choses, ça, l'atteinte unilatérale, un seul côté, une asymétrie du visage. Comme un genre de paralysie, quoi. Oui, exactement. Une difficulté à un engourdissement ou difficulté à sourire, effectivement, ça, il faut y penser. Il y a également l'atteinte souvent d'un bras ou d'une jambe, difficulté à bouger ou même une perte motrice, moins de force dans une main par rapport à l'autre. Il y a le côté vraiment asymétrique quand même dans l'AVC qui est intéressant à retenir. Et puis, dernière chose, souvent aussi, on parle du trouble de la parole, avoir du mal à parler brutalement. Ça aussi, il faut vraiment s'interroger sur ce genre de symptômes. Quand il y a ça, il faut agir vite. Docteur, autre question cette fois-ci de Benoît qui habite à Niort dans les Deux-Sèvres. Quels vaisseaux du cerveau sont touchés lors d'un AVC ? Les artères, souvent. Alors, les vaisseaux, il y a les veines et les artères. Là, ce sont les artères qui sont touchées. Le mécanisme, soit l'artère se bouche et du coup, le sang ne passe plus, il ne va plus irriguer ce qui se situe en arrière, en amont de ce vaisseau. L'autre option, c'est une rupture du vaisseau. Donc là, on est sur un AVC hémorragique et la gravité de l'accident vasculaire cérébral va être l'étendue et aussi la localisation de l'atteinte de l'artère. Quels vaisseaux du cerveau sont touchés lors d'un... Ah non, on l'a fait, pardon. On est en direct. Quelle différence entre un AIT et un AVC ? L'AVC, on l'a vu, accident vasculaire cérébral. C'est des symptômes qui apparaissent, mais qui restent. Et l'AIT, accident ischémique transitoire. Ça va être les mêmes symptômes, mais qui vont se résoudre spontanément, qui vont rentrer dans l'ordre. Ça va durer quelques secondes, quelques minutes. Par exemple, je vous parlais d'une asymétrie du visage ou une difficulté à bouger le bras. Donc ça va apparaître, mais hop, ça va rentrer dans l'ordre. Mais c'est quand même une alerte, ça, non ? C'est une alerte. Effectivement, c'est le risque de faire un AVC dans les heures, voire dans les jours. Est-ce qu'on aurait tendance à se dire, docteur, c'est parti, donc tout va bien, quoi. Effectivement, on pourrait dire, non, c'est rentré dans l'ordre, j'arrive de nouveau à bouger mon visage, je le ressens normalement, ça va. Non, surtout pas, vous appelez le 15 parce que là aussi, ça nécessite une prise en charge urgente. Autre question cette fois-ci de Nicole qui habite à Lyon. Que faut-il faire face à une personne qui fait un AVC ? Je vous en parlais tout de suite, on appelle le 15 ou le 112. Il faut vraiment agir parce qu'il y a une prise en charge importante à mettre en place. Ensuite, notez surtout l'heure du début des symptômes parce qu'en fonction de l'heure du début, on peut avoir un traitement plus adapté. Vous pouvez allonger la personne avec un petit oreiller derrière la tête, au calme. Ce matin, vous me posiez la question de PLS. Non, quand la personne est consciente... Position latérale et sécurité. Pardon, exactement, oui. Quand la personne est consciente de quelqu'un, lorsqu'on fait un AVC, il n'y a pas besoin de mettre en PLS. La PLS, c'est vraiment quand vous êtes inconscient. Ensuite, on ne donne pas de médicaments, on ne donne rien à boire. Et non, parce que voilà, il peut y avoir aussi un trouble de déglutition, il ne faudrait pas faire une fausse route ou quoi que ce soit. Mais la priorité, c'est donc d'appeler le 15 ou le 112, et même lorsque vous faites un AIT dont on vient de parler il y a quelques secondes. J'ai une petite question supplémentaire. Est-ce que quand on est jeune, on est protégé des AVC ? Non, l'AVC, ça touche tout le monde. Alors, plus vous vieillissez, plus vous avez le risque de faire un AVC. Mais on ne le sait pas toujours. Les jeunes et même les très jeunes enfants peuvent également faire des accidents. Aussi. Oui, après les C'est rarissime quand même, non ? C'est moins fréquent, effectivement, plus vous vieillissez, vous augmentez. Mais les causes vont être différentes, bien sûr. On pense toujours un peu au cholestérol qui peut les boucher quand c'est ischémique l'artère ou un trouble du rythme cardiaque. Voilà, les causes peuvent être différentes. Merci, docteur, pour toutes ces précisions vitales et pour vous informer davantage et soutenir la recherche. Un seul site à retenir, regardez, www.fondation-recherche-avc.org. Merci pour la recherche.